Vous savez que la tradition veut qu'on retrace les pas de la personne récipiendaire, qu'on retrace sa carrière, un petit peu sa vie avant de rencontrer cette personne. C'est ce que je veux dire. So traditionally speaking, we talk about the journey. You can't speak in English. In French. Yeah, sometimes it will be hard because the vocabulary is. But anyway, I will try to do a mix. Alain Darc. Alain, pardon. You were born in 1949 in Dax, ancient town of Gascogne, on the way to Saint-Jacques de Compostelle. I don't know if it rings a bell, but Saint-Jacques de Compostelle is very, very famous for many things, but for his thermal bath, for his tauromachie, and for rugby. And yeah. I know that you're very fond of rugby, so it is one of your favorite activities. It used to be. I have to switch in French. Le terroir étant prospère dans cette région et dans la ville de Dax, il n'est pas surprenant que vous ayez été entouré d'une forte tradition gastronomique. Alors, bien sûr, on pense au foie gras des Landes, mais aussi aux vins bien connus que sont le Madiran et le Jurançon, qui apparemment, la rumeur veut que le Jurançon ait servi à baptiser Henri IV. Mais vous êtes justement né dans une famille de cuisiniers, un de vos ancêtres ayant notamment été officier de bouche du roi Louis XVIII. C'est formidable de remettre une médaille parce qu'on apprend énormément de choses et j'apprends énormément de choses aussi sur vous. Car votre père a été reconnu meilleur ouvrier de France et vous avez notamment fréquenté à ses côtés Alexis-Émile Tingot à la Ferté-sous-Jouarre, Jean de Lavenne, pionnier de la nouvelle cuisine à Bougival, et bien sûr Paul Bocuse, que l'on ne présente plus et qui nous a quittés il y a déjà 2 ans. C'est donc tout naturellement que vous rentrez dans le métier en 1967 en tant que commis trancheur, bien ça, commis trancheur à l'hôtel du Palais à Biarritz. Vous vous êtes un moment expatrié entre guillemets en région parisienne, loin de vos terres d'origine, mais vous y êtes revenu très vite. Vous êtes revenu à Dax pour travailler dans l'hôtel-restaurant familial Le Richelieu, donc source de cette fameuse pantoufle du cardinal. Vous prenez la direction du Richelieu en 1984 et puis dans les années qui suivent, vous participez à plusieurs salons à l'étranger, donc déjà un goût du voyage, un goût de l'international. Vous avez formé des disciples, par exemple Pascal Roussy, traiteur reconnu maître artisan en 2014. Et puis vous êtes connu ici, alors très connu, mais je parlais tout à l'heure de la pantoufle, mais c'est vrai que vous êtes notamment connu pour avoir créé beaucoup de choses, mais cette fameuse pantoufle du cardinal, qui est comme une espèce de mythe. Oui. Composée, attention, de foie gras, de magret et de sauce aux truffes. Alors déjà, rien que ça, met l'eau à la bouche. Je mentionnais tout à l'heure la tradition familiale et elle se poursuit, elle vous poursuit en quelque sorte, et c'est elle qui vous a amené au Cambodge puisque votre fils, cher Arnaud, a de son côté fondé son propre restaurant, et je dirais même ses restaurants, ici à Phnom Penh, et le premier en 97. Après bien des années de labeur et plusieurs épreuves à l'issue desquelles vous aviez bien mérité votre retraite, vous avez décidé de rejoindre Arnaud en 2005 au Cambodge. Mais vous ne pouvez pas rester longtemps à la retraite et vous avez repris au pied levé le poste de chef Autopass pendant 3 ans, ce qui vous a donné l'occasion, pour notre plaisir à tous, ça vous a donné l'occasion de donner une envergure nouvelle Autopass, aujourd'hui reconnu comme le meilleur de Phnom Penh, et je dirais même du Cambodge. Et vous avez formé de nombreux apprentis de la brigade à la cuisine française, nous en parlions tout à l'heure à table. Puis vous avez passé le flambeau au chef cuisinier actuel, Sopiak Pop, qui vous doit beaucoup, comme il le dit lui-même dans le menu que nous avons ce soir. Et vous n'avez pas manqué d'envoyer Sopiak Pop se former dans 2 restaurants étoilés Michelin en France. Vous conservez bien sûr votre rôle d'irremplaçable et votre rôle de formateur, de créateur, d'inspirateur, et mais aussi celui redouté de l'homme qui a la voix qui porte. C'est une de vos caractéristiques, c'est ça, la voix qui porte. Et peut-être même le contrôleur qualité du groupe Talias. Vous avez votre franc-parler, vous nous en avez parlé tout à l'heure.
Et je dois dire, c'est pour le plaisir de tous, mais aussi pour la sauvegarde, la protection de vos établissements, de vos collaborateurs. Il m'est revenu que vous aviez d'ailleurs expulsé de vos restaurants un célèbre chanteur français moustachu qui se comportait mal avec les employés. Il nous raconterait ça tout à l'heure. Comme si ça ne suffisait pas, vous êtes depuis plusieurs années formateur, bénévole pour l'ONG Pour un sourire d'enfant, qui enseigne l'art culinaire, et un vrai métier à ces nombreux jeunes qui passent par PSE et qui viennent de milieux défavorisés. Vos cours du mercredi font un tabac et vous avez rédigé le manuel de cuisine de cette ONG. La plupart de vos élèves, d'ailleurs, on les retrouve partout ici, à Phnom Penh, au Cambodge, chez Thalias, mais dans bien d'autres établissements, et ils sont très recherchés. Vous avez donc le virus de la transmission. Vous aimez transmettre, c'est vraiment tout à votre honneur, le passage de relais. Et j'en viens d'ailleurs à me demander si vous n'auriez pas mérité les palmes académiques, encore plus que le mérite agricole. Mais ma conclusion, c'est que vous méritez les deux. Voilà. Vous avez également encouragé Yu Meng, qui est là, à la redécouverte de la cuisine Khmer après la tragédie Khmer Rouge. Et le restaurant Malice, ouvert en 2004, est le fruit de cette collaboration très fructueuse. Vous participez régulièrement à de nombreux jurys lors de compétitions culinaires, mais aussi œnologiques en Malaisie, au Vietnam récemment. Vous rayonnez au Cambodge et en dehors du Cambodge. Et vous avez une connaissance intime du vin et de l'accord mets-vins, ce qui est d'ailleurs si important dans la gastronomie. La tradition familiale rapporte que vous ne roulez jamais aussi prudemment que quand vous transportez dans votre voiture quelques caisses de grands crus. Yes, c'est le résultat. Apparently, he drives very slowly when he has boxes of three bottles of special wine. Of wine in his car. It's very, very cautious. Vous avez fait rêver beaucoup de monde ici l'an dernier avec Facebook, avec votre voyage dans les vignobles de Bordeaux et de Bourgogne. Je dois dire que moi-même, j'ai suivi tout ça. Your trip to France, when you, Alain went with a group of you to taste the good wines, and it was posted on Facebook, and even I was following. I was like, oh wow, it's like, because it's gastronomy, but it's wine, but you know, through wine and gastronomy, it's history. It's the provinces of France. It's art. I have to say, wine is like art, gastronomy as well. J'ajoute qu'à l'heure où la France se déchire sur la question des retraites, vous avez pour votre part réglé le problème. Et je crois que vous avez dit, je serai à la retraite le jour où je n'aurai plus de projet. Et c'est vraiment loin d'être le cas, puisque vous allez encore repartir dans la création de nouveaux plats et de restaurants. Vous avez donc un parcours hors norme. Extrêmement haut niveau dans les domaines qui sont les vôtres, la gastronomie, le vin, mais aussi je crois ce qui vous caractérise, c'est ce partage. Et je crois qu'il n'y a pas de bonne cuisine sans partage, sans générosité, mais ce partage, vous l'interprétez à votre façon, dans la transmission, dans la formation. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose dont, à titre d'ambassadrice et au titre de votre famille et de vos amis, nous pouvons être extrêmement fiers. Et c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, tous les pays ont besoin, mais particulièrement aussi le Cambodge, compte tenu de la situation du pays. Voilà, nous sommes très heureux de pouvoir profiter de votre talent. Merci. Dans les restaurants dans lesquels vous œuvrez. Nous sommes très très curieux de découvrir dans un an encore de nouveaux projets. Pour toutes ces raisons, et avec grand plaisir, Monsieur Alain Darc, cher Alain, au nom du ministre de l'Agriculture, je vous fais chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Le mérite agricole, il revient aussi à
mon fils, puisque c'est quand même l'un des premiers à avoir ajouté des produits français et fait la promotion des produits français au Cambodge, surtout dans ce qui concerne la gastronomie. Merci à tous mes amis d'être là. Et oui, on va continuer. On l'espère.